Donc passons maintenant à la GemFaker, donc ce qu'elle va permettre de faire est d'ajouter de faux utilisateurs dans notre base de données. Ça permet de faire des tests pour le style de notre, enfin, pour notre site, quand il y en aura beaucoup d'utilisateurs en fait. Donc tout ce que nous avons à faire, puisque nous avons déjà ajouté la gem, est de modifier le fichier seed qui se trouve dans notre DB, donc, et d'ajouter justement un code faker à l'intérieur. Donc il se trouve dans DB et il se trouve ici seed. Donc pour l'instant vous avez un petit truc sympathique qui vous explique comment créer votre DB en fait. Ici on va simplement tout enlever et on va copier ce que je viens de vous préparer. Donc ça c'est un code que j'ai récupéré sur la documentation de Faker. J'ai juste modifié les emails etc. pour que ça corresponde à ce que moi je voulais en fait. Donc ici on crée d'abord notre première adresse email avec une bonne adresse, puis nous créons plein de faux utilisateurs avec de fausses adresses et des faux noms. Donc le code n'est pas compliqué à comprendre, il va simplement créer 99 utilisateurs ici, en générant un nom au hasard avec la GemFaker, une adresse email qui sera exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Donc ici n plus 1, ça va en fait incrémenter de 1 à chaque fois, avec @getcodingknowledge.com derrière. Le mot de passe sera toujours le même, ça sera password, et ensuite, nous lançons la commande pour créer un utilisateur qui va se relancer en fait 99 fois. Voilà. Donc avant de lancer la commande, nous allons supprimer notre DB actuel afin de remettre tout à zéro quoi. Donc on va dans DB, on va dans développement SQL ici, on va le supprimer. On va aussi supprimer le schéma. Et maintenant, nous allons devoir recréer notre base de données. Donc on va faire DB migrate. Ah merde. Rails DB migrate. Voilà, ça va permettre de faire toutes les migrations vers la base de données et ajouter toutes les colonnes. Normalement, ça devrait aller. Ensuite, on fera Rails DB prepare test pour préparer notre DB pour les tests, pour pas qu'il y ait de bugs hein, quand on va lancer notre serveur. Évidemment, je l'ai fait toujours dans le mauvais sens. Rails DB test prepare, voilà. Et ensuite, on va lancer notre commande Rails DB seed pour lancer notre fichier seed qui est ici. Qui va lancer en fait notre loop ici, enfin notre boucle, qui va créer tous nos utilisateurs. Donc Rails DB seed. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que l'opération se finisse et que nous ayons tous nos utilisateurs. Et voilà, donc maintenant que nous avons fait ça, nous allons pouvoir lancer notre serveur pour voir que nous aurons bien tous nos utilisateurs. Donc normalement, la connexion devrait toujours être bonne, parce qu'en fait, on n'a pas lancé le serveur entre-temps, ni notre application, et notre adresse, le fait qu'il est ici, Alexis Holland, est toujours bonne. Peut-être que le mot de passe est différent, donc il est possible qu'on ne se connecte pas directement, mais bon, en tout cas, on verra comment ça se passe. Donc on va lancer notre application ici, on va rafraîchir Localhost 3000 hein, pour lancer notre application, comme d'habitude. Voilà, donc on est toujours connecté, on regarde si on est sur notre bon compte, ou on n'est pas sur le bon compte. Donc ici on va se déconnecter. On va se connecter sur le bon compte, donc Alexis Holland. On va se getcodingknowledge.com. Et donc c'est route 1, 2, 3, 4. Voilà, donc on est sur notre profil, et maintenant, si on appuie sur utilisateur ici, on devrait avoir une liste complète de tous les utilisateurs qui ont été créés. Donc je devrais être le premier, et ensuite on a tous ceux qui viennent après. Donc vous pouvez voir que nous avons bien 100 utilisateurs. Donc si on descend tout en bas, on peut voir qu'ici, Mrs. Charlie Cole, c'est l'utilisateur numéro 100. Voilà. Le problème maintenant, c'est qu'en fait, ils sont tous affichés sur la même page. Ce qui fait un simple bordel, vous pouvez voir qu'il faut vraiment descendre pour pouvoir tous les voir.